J'ai hâte de voir le dernier épisode de Max le super chien. Yap, on va enfin savoir comment Max va se sortir des griffes de l'horrible docteur Gigot. Aïe. Oh là là, tu crois qu'il va se servir de son collier gadget? Même pas besoin, Max a des super pouvoirs, comme moi. Hé hey Bill, attends-nous. Oh non, j'y crois pas, c'est pas possible. La télé marche plus. Papa! Alors papa, qu'est-ce qu'elle a? Oh. Eh ben, je ne sais pas trop, en tout cas, elle est en panne. Laissez-moi faire. Tu peux pas la réparer, t'es sûr? Oh, t'inquiète pas, fiston, la télé est sous garantie. On pourra la changer demain au magasin. Mais papa, on peut pas attendre, y a Max qui passe tout à l'heure. Allons, Boule, arrête un peu, y a pas que la télé dans la vie. Allez jouer dans le jardin, ça vous fera du bien. Hein? Quoi? Mais c'est pas possible. Bill, ça suffit. Va faire ta comédie dehors, s'il te plaît. Je sais. On va faire le tour du quartier. Il y a bien quelqu'un qui nous laissera regarder Max chez lui. Super idée. On fonce. Croquette TV? Ouais, je l'ai, mais... ma mère préfère regarder Je tricote sur Bricole 9. Et c'est à la même heure que Max. Croquette TV, tu dis? Non, non, il a pas ça, mon maître. T'en veux un bout? Trop bon. Oui, j'ai Croquette TV, mais j'y vais chez ma mamie aujourd'hui. Tu devrais aller demander à la toiletteuse. Oui, merci, Noisette. Bonjour. Vous avez bien Croquette TV? Non, désolée, j'ai résilié mon abonnement le mois dernier. Oh, c'est pas cool. Tu te rends compte, on va rater Max. Ah! Oh, mais oui, bien sûr, Caporal. Tu pourras regarder des chats et des hommes sur Croquette TV avec moi. Hé, hey, Boule, t'as entendu ça? Bonjour, Madame Stick. Je sais que vous regardez Croquette TV et est-ce qu'on pourrait regarder un épisode de Max le chien chez vous? Notre télé est en panne. Et puis quoi encore? Ma maison, ce n'est pas un cinéma. Rentre chez toi, cabot. Mêle-toi de tes croquettes, sac à puce. Oh, s'il vous plaît, on se fera tout petit, tout petit. Allez, pour une fois, soyez sympa. Tout va bien, Madame Stick? Oh, ça suffit! Dehors! Je ne veux pas d'un danger public dans ma maison! Comment on va faire maintenant? Il doit bien y avoir une solution quand même! Fastoche! On n'a qu'à lui faire les yeux doux! Mais oui, Bill! C'est génial! On va appliquer la méthode numéro 1 de Max le chien! La meilleure façon de convaincre son adversaire, c'est de le séduire! Comme dans Max à la conquête de la pirogue d'or! Yap! J'adore cet épisode où il fait le coup du chaud tahitien! Très bonne idée! On va la faire craquer! Je sais qu'elle adore Tahiti! On va lui faire un chouette collier de fleurs. Cause toujours. Et voilà, il est comme dans les îles. Et voilà, un magnifique collier de fleurs au poivre. Bah, il y a personne. Vous êtes prêts pour le show? Encore toi? Aloha, Madame Stick! Oh, j'adore Tahiti!
petit. Son soleil, ses pamplemousses et ses fleurs de tiare. On peut entrer chez vous pour regarder Max le chien, s'il vous... C'est qu'il pique le nez, ce collier. Ah-ah-ah-tchou. Ah-ah-ah-ah-tchou. Ah-ah-tchou. Oh, partez, bande de vauriens. Et ne remettez plus les pieds chez moi avec vos blagues idiotes. Mais Madame Stick... Achou. Bon, va falloir trouver autre chose. Coucou, grand feignant. Alors, il paraît que t'as du flan dans les moustaches, c'est vrai? Caporal, laisse cet oiseau tranquille. Et pas capable de m'attraper. Caporal, reviens ici tout de suite. Par ici. Quel courage. J'espère qu'il va pas se faire croquer. T'inquiète, Caro, Robin est super malin. Impec. Allez, on peut y aller maintenant. Selon la méthode numéro 2 de Max le chien, le meilleur moment pour entrer chez l'ennemi, évidemment, c'est quand il n'y est pas. Faut faire attention, il y a des pièges partout. T'inquiète, je connais ces trucs sur le bout de mes griffes. Caroline, reste en arrière, c'est plus prudent. La voie est libre, Boule. Caporal. Bon, je crois que j'ai quand même bien aidé Boule et Bill. Oh, zut. Au secours. Oh, Eh bien, Georges, voyons voir qui tu m'as caché là-dedans. C'est parti. Oh, je vois. Qu'est-ce que vous faites chez moi, bande de galopins? Ah, mais oui. On venait récupérer notre ballon, c'est tout. Déguerpissez. Merci, Caro, t'as assuré. De rien, les copains. Bon, bah, c'est fichu maintenant. On pourra jamais aller regarder Max le chien chez Madame Stick. Oh, mais c'est mon héros préféré. Écoute-moi, Bill. Tu crois que Max, lui, l'abandonnerait contre le docteur Gigot? T'as raison, Caro. Max se battrait jusqu'au bout. Allez, on peut le faire. Vous êtes les meilleurs. On y retourne. On va tenter la méthode numéro 3 de Max. La meilleure défense, c'est l'attaque. Docteur Gigot. On peut pas faire ça. Faut qu'on aille les aider. Je vous garde la place, hein. J'ai peur du noir. Ok. 1, 2, 3.
J'ai... Caporal a horreur du noir, merci. Oh, y a pas de quoi, Madame Stick. Vous savez, Bill et moi, on est des super espions. On a fait comme Max le chien contre les 300 bulldogs. Ouais, on assure un Max, tout comme Max. Ah bon? Ce n'est pas une série idiote sur les chiens, votre Max? Pas du tout. Max est un super chien espion. Il a un collier bourré de gadgets trop géniaux. Il a même un parachute à l'intérieur. Non. Et il en a d'autres, des gadgets? Des tas. Mais je sais pas si ça va lui suffire contre l'horrible Docteur Gigot. Eh bien, allons donc le voir, ce super Max. Trop tard. L'épisode est fini. Pas de problème. Vous avez oublié le progrès, on dirait, jeune homme. On peut le regarder quand on veut, en rediffusion. Ouais. Et comme Max le chien le dit toujours, quand on est sympa et qu'on y croit, on finit par être récompensé. Le chien doit délivrer un message très urgent à l'agent secret 003. Hein? J'ai vraiment hâte de voir ça. Je te parie que Bill peut le faire aussi. Tu rigoles. Dans la vraie vie, les chiens sont pas comme Max. Ouais, bah c'est ce qu'on va voir. Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Ses devoirs? Et voilà. Agent Noisette 002, rendez-vous au parc à 3h cet après-midi. Dis-moi si tu seras présente, signé Agent Boule 001. Bill, apporte ça à Noisette et ramène sa réponse, ok? Trop fastoche. Bon chien, allez, go, go, go. Alors, qu'est-ce que je t'avais dit? Ouais, on verra bien. Noisette n'habite pas très loin d'ici. Bill devrait revenir dans 10 minutes maximum. C'est quoi ce truc dans ta gueule? Tu manges du papier maintenant? Mais non! C'est un message secret pour Noisette. T'es sérieux? C'est trop nul! Viens, on va au parc! Non, la fourrière! Nom d'une croquette, le message. Je le tenais presque. J'y arrive, attends-moi. Regarde, le voilà. Oh. Pluche, suis-moi. Ça sert à rien de courir, on le rattrapera jamais. C'est pas grave, Bill. Tout ce qu'on a à faire, c'est suivre l'odeur des sushis. Bien vu. Et je vois pas le bout de sa truffe. Oh, t'inquiète, je suis sûre qu'il va pas tarder. Ouais, ouais, si tu le dis. On s'approche des sushis. L'odeur est de plus en plus forte. Miam, miam. Hein? Oh, il est là. Quoi? Où ça? Ah oui, là. Le message, vite.
Ça devient de plus en plus ouf. Mais on fait quoi maintenant? On suit discrètement le message secret. Il finira bien par se décoller. Laisse tomber, Boule, il reviendra pas. Peut-être que Noisette lui a donné à manger et ça l'a retardé. Mais non, il a dû partir en vadrouille avec un de ses copains. Bon ben, il n'y a qu'une façon de le savoir, on va chez Noisette. T'es vraiment têtu comme une mule. Le message ne s'est toujours pas décollé. En plus, il avance comme un escargot. Oh, il nous fait perdre un temps fou. Changement de tactique. Oh, bonjour, Bill. Moi aussi, je suis content de te voir. Il y a quelque chose par terre? Ah, bravo, Bill. T'es un chien très écologique. Eh oui, il y a parfois des gens pas très propres qui jettent des papiers par terre. Mais... qu'est-ce qu'il fabrique? Non. Et voilà, problème réglé. Au revoir, Bill, et merci. Vas-y, Bill, on y est presque, on va pas abandonner. Ah, la poisse, j'y suis coincé. Ah ouais, quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Y a des jours comme ça. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Je vais essayer. Hey, salut la mésange. Tu pourrais pas m'attraper le bout de papier dans cette poubelle? Génial! Merci! C'est l'heure du goûter, on dirait. Attention derrière toi! Pluche, débarrasse-nous de lui! Hey, non, attends! Attends, reviens! Alors, on abandonne déjà, gros balou? Et reviens, donne-moi le message. Intéressant, on dirait que Bill tient énormément à ce petit bout de papier. Allez, rends-moi mon message. Oh, c'est pas possible. Reviens, s'il te plaît. Bon bah, elle est pas là. Mais oui, ça doit être pour ça que Bill n'est pas revenu. Comment ça? C'est logique, il a dû partir à sa recherche. Pourquoi tu veux pas admettre que t'as perdu ton pari? Allez, rends-moi ce message, s'il te plaît. Roquette! Roquette! Salut Axel. Hé les gars, vous auriez pas vu Roquette par hasard? Non, désolé. Oh, je crois qu'il a fugué. Ah bon? Oui, je l'ai grondé parce qu'il farfouillait dans une poubelle. Ça l'a vexé et il s'est enfui. Il est peut-être allé au parc. T'as raison, je vais aller voir. Hé, hey, redescends, t'es plus en danger. Allez. C'est ma faute, j'ai mal surveillé Caporal. C'est la galère, elle m'écoute pas. Cet imbécile de Caporal l'a vraiment effrayé. Oh, c'est pas vrai. Ok, tu fais diversion et moi je m'occupe de la mésange. On pourrait pas changer? C'est toujours moi qui fais diversion. Non. Ok. Belle journée, hein? Ah, le chien, on bouge plus! Stop! T'es en état d'arrestation! Quoi? Oh,
croquette? Oh la honte! Moi, Roquette, je me fais embarquer par la fourrière. C'est vraiment le pire jour de ma vie. Oh, arrête, tu vas me faire pleurer. Tu ne risques plus rien. Tu peux descendre là. Merci. Elle est complètement ouf, cette mésange. Lika, faut y aller. Vous perdez rien pour attendre, je vous aurai. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et c'est une longue histoire. Salut Bill, salut les chiens. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un message de Boule. Merci Bill. Je reviens tout de suite, je vais écrire une réponse. Et voilà le travail, mission accomplie. On est les meilleurs. Tiens. Je serai bien au parc à 3h cet après-midi. Reviens, caporal. Bill n'est toujours pas là, t'as perdu ton pari. Oui, cette fois, je crois que t'as raison. Donne-moi ce message, caporal, ou ça va barder pour toi. C'est quoi ce refus? Laissez mon pauvre minou tranquille, espèce de sale cabot. Qu'est-ce que c'est que ce bout de papier? Agent Noisette 003, agent Boule 001, je serai au parc à 3h cet après-midi. C'est un genre de code secret, c'est ça? Non, c'est pour moi. Un message secret. Oh, ça me rappelle le bon vieux temps. Merci, Madame Stick. Désolée de vous avoir dérangé. Venez, les copains. Regarde, Noisette a répondu. Bill a accompli sa mission. Oui, on dirait bien, mais il a mis beaucoup plus longtemps que prévu. Parce que c'est la vraie vie. Ah. Il est 3h. Vite, faut qu'on aille au parc. Roquette! 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 Oh, Roquette! Roquette, tu m'as fait une de ces peurs. Désolée de t'avoir grondée tout à l'heure. Non seulement Bill a été un super messager, mais il a retrouvé Roquette en plus. Ouais, mais tu serais jamais arrivé sans moi. Ça c'est clair, on forme un super tandem. Le dernier arrivé au terrain secret a un gage, ok? À vos marques. Mais on n'a aucune chance. Bill a 4 pattes. Nous, on n'en a que 2. C'est vrai, Bill. Sois un peu beau joueur. Tu dois nous laisser de l'avance. Et puis quoi encore? C'est pas de sa faute s'il court super vite. Allez, sois sympa. Tu vas gagner de toute façon. Ouais, on va vous griller les doigts dans la truffe. À vos marques, attention, partez! Attention, accroche-toi bien, Caro, ça va fuser! Olé! On peut pas entrer, c'est fermé. Ils ont bloqué toutes les entrées. C'est ça qui vous arrête? Arrêtez! Il y a un panneau d'interdiction! Regardez,
Hein? Interdiction de quoi? C'est notre terrain. On peut y aller si on veut, c'est tout. C'est interdit maintenant, Bill. On ne peut plus entrer, désolé. Propriété privée. Pour tout renseignement supplémentaire, téléphonez au promoteur, Monsieur Sans-Cœur. Oui, le terrain m'appartient maintenant. Je vais le transformer en parking. Mais Monsieur Sans-Cœur, vous ne pouvez pas faire ça. C'est notre terrain secret depuis qu'on est tout petit. On veut continuer à jouer là-bas. Eh bien, vous n'avez qu'à aller jouer ailleurs. Zulma, un terrain de jeu pour les enfants. Les travaux commencent demain. Hein? Notre terrain. Là où j'ai enterré mes plus beaux os. Eh ben lui, il s'appelle pas Monsieur Sans-Cœur pour rien. Pauvre Bill, c'est son terrain préféré. Il faut qu'on fasse quelque chose. On a qu'à piéger tout le terrain avec des pétards. Ou alors, on campe là-bas pour empêcher les bulldozers d'entrer demain. Hé, hey, les enfants, je sais ce qui pourrait marcher. Une pétition. C'est comme ça que j'ai réussi à faire interdire les choux de Bruxelles à la cantine quand j'étais petit. Une pétition? Merci, papa. C'est vraiment une super idée. On a déjà deux signatures, maman et papa. C'est un bon début. Je suis sûre qu'on va les multiplier par 1000 très vite. Ouais, on va avoir tellement de signatures qu'il faudra une brouette pour transporter les papiers. Prends garde à toi, Monsieur Sans-Cœur, ça va barder. Touche pas à notre parc. On veut de la nature, pas des voitures. Touche pas à notre parc. Allez, approchez, on va pas vous mordre. Vous voulez bien signer, monsieur? Non, mais bien sûr, mademoiselle. Touche pas à notre parc. Qui peut bien faire ça, bétonner le coin des chiens? Quelle honte! Des enfants, des chiens tous solidaires, comme c'est sympa. Tenez-moi au courant, d'accord? Pour le journal, on ne sait jamais. Une petite signature, madame? Je comprends même pas pourquoi vous avez besoin d'un parc. Votre place est dans les poubelles. Va-t'en de la caporale ou je te frise les moustaches. Non, vous avez vu ça? Quel réflexe! Mais tenez donc votre chien! C'est une saxifrage œil de lune, une fleur extrêmement rare! Je viens de l'acheter, on n'en trouve plus dans la nature. Vous étiez à deux doigts de causer un véritable désastre écologique. Tout va bien, pas de bobo, ma petite biche. Ben justement, Madame Stick, vous qui aimez la nature, vous voulez bien signer ici? Oh! C'est pas vrai, encore ces vauriens de promoteurs.
Je suis désolée, mais ne rêvez pas trop, les enfants. On ne peut rien faire contre les pelleteuses. Pas mal. Mais je pense qu'on n'en a pas assez. Il faudrait au moins qu'on remplisse toute la page. Oh non, ça suffit. J'en peux plus d'attendre, moi. Et puis j'ai des grosses crampes aux oreilles à force de jongler. Ouais, t'as raison, sérieux, ça prend beaucoup trop de temps. On va faire ça à notre façon. D'abord, faut qu'on récupère... Nananas. Hé, les chiens, j'espère que vous abandonnez pas la bataille. Comment on fait pour passer? On saute à la perche? Mieux que ça, les copains. On va enlever cette planche. C'est pas un morceau de bois qui va nous arrêter. Et voilà, après vous, les copains. Oh, c'est trop cool, j'ai retrouvé un nanas. Génial, j'ai retrouvé mon osquiner. T'attrapes, pluche. Voilà ce que je lui dis, moi, au promoteur. Quick. Regarde, papa, on peut appeler promoteur maintenant? Oh là là, je suis désolé, mais je pense que ça ne suffira pas, Boule. Il en faut beaucoup plus pour faire arrêter un chantier. Ah bon? Mais combien il en faut? Des milliers au moins. Et puis surtout, il faudrait alerter les médias pour qu'ils vous soutiennent. Oh, c'est fichu du coup. Qu'est-ce que je vais dire à Bill? D'ailleurs, en parlant de lui, il est où? Il est peut-être retourné au terrain secret avec ses copains, non? Tu crois qu'il est là-bas? Aïe, aïe, aïe. Faut qu'on aille voir. Halte! Les pattes sur la tête! Attention, c'est le gars de la fourrière! On se laisse pas faire! Laissez-les partir, monsieur! Ils ne reviendront plus jamais ici, je vous le promets! Pas question! Viens la seule propriété privée! Outrage à un champ! Ils vont me le payer cher! Oups! Ça va, monsieur? Rien de cassé? Si, ma fierté. Oh, j'aurais dû écouter ma maman et faire jardinier. C'est plus calme. Oui. Oh là 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 là. Je sais, c'est dur, Bill. Mais on doit partir maintenant. Au revoir, beau terrain. Ciao, je t'aimais bien. Et les copains, regardez, ça vous rappelle rien, cette fleur? Ça serait pas la même fleur que celle de Madame Stick? Mais oui! Non, Pouf, ne l'accueille pas! Oh oui, tu seras très bien là, ma bibiche. C'est un joli petit coin bien tranquille. Oh! Une magnifique saxifrage, œil de lune! C'est bien ce que je pensais. On l'a prise en photo au parc. Quoi? Montrez-moi ça tout de suite. Cette fleur que j'ai trouvée est incroyablement rare et elle est protégée par la loi. C'est un petit pas pour l'écologie, mais un grand bond pour la nature. Merci beaucoup. Souriez, vous allez faire la couverture. Eh oh, c'est pas vrai. C'est Bill qui a trouvé la fleur. Chut, c'est pas grave. Donc, si la fleur est protégée par la loi, on n'a pas le droit d'y toucher, non? Mieux que ça! La loi interdit formellement de toucher à la fleur, mais aussi à son environnement. Laissez-moi faire. Allô, monsieur Sans-Cœur? Vous savez le parking que vous voulez construire? Fini, perdu! Envoyez vos pelleteuses ailleurs! Et lisez le journal si vous voulez savoir pourquoi. Ah! Ça fait du bien. On a gagné! Le terrain est sauvé! Elle est belle, hein?
Et bientôt, grâce à son pollen, il y en aura plein d'autres comme elle dans le coin. Merci beaucoup, jolie fleur. Allez, on retourne jouer. Ouais. Attendez-moi. Un peu beaucoup. Bon, on sort faire des courses avec maman. Pendant notre absence, tu vas ranger ta chambre et apprendre ta récitation, d'accord? Hein? D'accord, maman. Très drôle. Allez, bouge-toi, Boule, je veux que ta chambre soit impeccable. Oui, 100% impeccable. Et j'ai une mission pour toi, Bill. Tu vas veiller à ce que Boule fasse ce qu'on lui a demandé. Jusqu'à notre retour, c'est toi le chef de la maison. Ah, Bill, chef de la maison, n'importe quoi. Non, au contraire, je trouve que c'est une excellente idée. C'est moi le chef de la maison. Allez, viens, on va d'abord jouer un peu. J'aurai largement le temps de tout faire après. Alors ça, c'est trop mignon. Bill qui fait le chef. Hé, ça va pas du tout, ça. Non, mais comment est-ce qu'il ose me désobéir? Hein? Non, non et non. Oh, allez, Bill, t'es pas drôle. Hein? Cool. Attrape. Au revoir, Bill. Oh non. Mais Bill, tu fais quoi là? Lance-moi le frisbee, Bill. Désolé, mais c'est pas le moment de jouer. Boule a des choses à faire. Oh bon? Oui, et c'est moi qui commande à la maison. Oh allez, arrête de dire n'importe quoi et lance-moi le frisbee. Je suis très sérieux, Caro. C'est bon, Bill, donne-moi le frisbee. Faut que j'y aille. Bill, reviens ici. Et voilà. Ah, mission accomplie. Oh. Mmh. Oh. Mmh. Ah. Tu veux que je révise ma récitation? Ok. Maître corbeau sur un arbre perché, bla 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 nanana nanana. Et voilà. Non mais il se moque de moi là. Si on regardait un épisode de Max le chien? Certainement pas. Allez Bill. Hey. C'est ça que tu veux? Viens la chercher. Bill, viens ici. Puisque c'est comme ça, je joue avec la tablette de papa. Pas question. Ah,
Salut, Boule. Ça te dit d'aller faire un tour? D'accord, mais pas longtemps. Je dois ranger ma chambre et apprendre ma récitation. Ok, mais c'est ça, un de ces quatre. Oui, je sais, j'ai des trucs à faire. Mais je les ferai quand je l'aurai décidé. J'arrive, Pouf. Pouf. Hé, Pouf, reviens. Tu m'as claqué la porte au nez, je te signale. Ciao. Allez, Boule, c'est parti. Va falloir se mettre au rangement dès maintenant. Plus le temps pour les bêtises. Mission accomplie. Hein? Quoi? Je te parle plus, Bill. C'est pas un chien qui va me donner des ordres. Bon, je vais devoir employer les grands moyens. Oh, arrête, Bill, c'est dégoûtant. Arrête, tu me chatouilles. Ça suffit. Il est temps de se mettre au travail. J'en ai trop marre que tu sois tout le temps après moi. Laisse-moi tranquille. Et arrête de me suivre partout. Bill, ça suffit. Oh là là, on dirait que ça chauffe. Bon appétit, Bill. Moi, je vais ranger ma chambre. Ah, je vais me régaler. Et j'ai une mission pour toi, Bill. Jusqu'à notre retour, c'est toi le chef de la maison. Oh, non, ma mission doit passer en premier. Oh. Incroyable! Bill ne va pas manger son sandwich. Comme c'est dommage, tu n'as pas faim? Je vais le remettre au frigo alors. Non! J'aime mieux ça. Pendant un moment, j'ai cru que t'étais malade. Oh non, Boule! J'y crois pas, il m'a enfermé. Bye bye, Bill. Ah, le crapaud! Boule m'a piégé. Je suis trop nul. Tu l'aimes pas ton sandwich? Pourquoi tu le manges pas? T'as raison, Caro. Faut pas gâcher la nourriture. Salut, Noisette. Oh, salut, Boule. Comment ça va? Bof, bof. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est Bill. Il est devenu complètement zinzin. Bon, il faut que j'aille chercher Boule. Mais comment je fais pour sortir? J'ai plus qu'à suivre son odeur. Oups. Ming? Pluche? Vous venez de chercher? Ouais, il y a une dégustation gratuite de croquettes en ville. Super. Oh non, je peux pas venir. Quoi? Aujourd'hui, je suis le chef de la maison. Je vous expliquerai, faut que j'y aille. Non mais il est devenu ouf ou quoi? Mais bon, en tout cas, je l'ai bien eu avec le sandwich. Mais non, c'est nul, t'as rien compris du tout. Quoi? Bill essaye d'assurer, alors que toi, tu ne fais aucun effort, c'est pas sympa. Oh, t'es mignon, Bill. T'es venu chercher le vilain garçon? Oh,
Ok, Bill, c'est toi le chef. Tu veux qu'on rentre? T'as encore gagné, mon Bill. Ah, il a enfin compris. On se regarde un film? Hein? Quoi? Je t'ai bien nu. T'inquiète, je vais ranger ma chambre. Ouais, bah c'est pas trop tôt. Ouh. Eh ben, il y a du boulot. Oh. Allez, c'est parti. Ouais, travail d'équipe. Sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Bill, Boule, c'est nous. On est rentrés. Ah, on met le turbo. Tada. Wow. Oh là là, bravo, Boule. J'ai jamais vu ta chambre aussi bien rangée. Bill m'a bien aidée. Et ta récitation, tu la connais? Vite aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. C'était très bien, Boule. Mes félicitations. Hein? Ouais. Hey, Bill, au fait, tu l'as caché où, ce frisbee? Nom d'une croquette, je m'en souviens plus. Oh, ah, ça y est. Bill, non. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, Boule? Oups. Eh, c'est mon os, ça. C'est sûr, on va pulvériser Axel et Rocket à la passe à 10 tout à l'heure. Bah alors, Caro, tu rêvasses ou quoi? Désolée, c'est le jour du marché aujourd'hui, alors j'attends ma salade frisée. On est pressé, hein, les petits gourmands. Alors, voilà pour toi, Bill. Et ça, c'est pour Boule. À moi, à moi, à moi, à moi. Oh. Oh, je suis vraiment désolée, Caroline. Mais il n'y avait plus de salade frisée. Je suis arrivée trop tard. Mais je t'ai pris du chou à la place. Tu m'en veux pas trop, hein? Tu en auras la prochaine fois. Caro, tu veux la moitié? Attends, Caro! Je vais t'en rapporter une, moi, de salade. Oh, c'est vrai? Parole de cocker, tu l'auras avant la fin de la journée. C'est un truc, Bill. On pourrait peut-être passer à la supérette avant d'aller au match, hein? Chercher une salade? On fonce. Fermé. Mais oui, on est dimanche. Oh non, j'ai promis à Caroline. Bon, allez, viens, Bill. On n'en trouvera pas aujourd'hui, tout est fermé.
bien beau ce match de basse à 10, mais faut que je trouve une salade, moi. Tiens, tiens. Yof. Je t'attends sur le terrain. J'arrive pas. Un petit coup de patte, monsieur Moustache. Faut faire attention avec ces trucs-là. Ça s'accroche partout. Merci, Bill. C'est très gentil à toi. Ne bouge pas. Je vais te donner quelque chose. Tiens. Je veux pas de biscuits. C'est ça que je veux. Ben alors, depuis quand tu manges de la salade? Bon, d'accord, tu peux la prendre, tu l'as bien mérité. Petit lapin, va. Et voilà, je tiens toujours mes promesses, moi. Trop fort, Bill. Caro va être contente. Bon, on s'entraîne maintenant. Allez. Hey Bill, il y a un arrivage de poulets dans les poubelles du restaurant. Mais c'est trop haut pour moi, t'as vu? Hey, tu veux pas m'aider? Du poulet? J'arrive. Tu veux bien que j'y aille, Boule? Tu veux aller jouer? D'accord, hein, mais tu reviens. Axel et Rocket vont bientôt arriver. T'inquiète, Bill, je la surveille. T'as raison, Ming. Ça flaire bon le poulet dans ces poubelles. Un petit coup d'ascenseur et ce sera réglé. Ah, c'est magnifique. Il y en a plein, il y a du foie, il y a des cuisses. Valeur, ta fourrière. Tu ne m'échapperas pas, petit valeur. Va-t'en, Bill. Tu vas te faire attraper aussi. Pas question que je te laisse. Viens par là. Qu'est-ce que tu t'attaques? Tu l'as rendu complètement ouf. Merci, Bill. Y'a pas de quoi, Ming. Faut que j'aille retrouver Boule. A plus. Oh, moi, ma belle. Caporal, tu piques pas la balle de pluche. Caporal. Salut, Pouf. Prêt pour faire l'arbitre du match? Mais c'est bizarre. Je viens de voir Bill partir par là avec pluche. T'es sûr qu'il sera revenu pour le match? Bien sûr. Bill, on peut toujours compter sur lui. Alors, les cabots, on a la trouille d'entrée? Non, mais tu rigoles ou quoi? Bouge pas, j'en ai pour 2 minutes. Je connais tous ces trucs. Alors, il est passé où? Allez, Georges, à toi de jouer. Protège-nous des intrus. J'ai dit la balle, donne-la-moi. Et voilà le travail. Cool, Bill. On se fait une partie pour fêter ça? Pas le temps, y a Boule qui m'attend au parc.
Bill, c'est la cata. Mink s'est fait prendre par la fourrière. Bon bah d'accord, je te suis. C'est par là. Bill, mais t'es où? Bill n'est pas là. Ça m'étonne pas. On peut jamais compter sur lui. Ouais, dis plutôt que t'as peur de te faire ratatiner. Il va venir, tu vas voir. Hey, oh là là, elle est belle cette salade, hein? Ma mère en fait pousser des comme ça dans son potager. Et hop, par ici la sortie. Ah, je t'aurais comme ça. Merci, Bill. Il n'y a pas de quoi, Ming. Je t'aurais jamais laissé. Bon, je dois y aller. À plus. Eh, mais si Bill n'est pas là dans 2 minutes, on gagne par forfait. C'est bien ça, monsieur l'arbitre? Oui, c'est bien ça. Bravo, Bill. C'est maintenant que tu arrives. Pff, quelle honte. Bah quoi, je suis à l'heure. Bon, on se la fait cette partie. Dommage pour vous, Bill est de retour maintenant. C'est parti. La première équipe qui réussit à faire 10 passes de suite remporte le match. Hop, par ici la balle. 2, 3, 4, 5, 6. Nom d'un os, la salade. Pas grave, Bill. Au moins, t'as sauvé la salade. Hein? Mais attends, c'est toi, là? Je suis drôlement photogénique, non? Ce chien dangereux est recherché par la fourrière? Je te tiens, grandes oreilles, et je ne te lâche plus cette fois. Relâchez-le! Il n'a rien fait du tout! Je partage dans les poubelles, vagabondage, outrage à agent. Ça va coûter très cher à tes parents, ça, mon garçon. Pauvre Bill, il fait le maximum pour aider tout le monde et voilà le résultat. Mais on va pas le laisser tomber, hein, les copains? Mais non, au secours! Oh non, la salade. Je sais. Dis, Pouf, ta mère, elle fait bien pousser des salades. Alors, Bill, tu l'as caché où? Eh ben, justement, tu sais, la salade, en fait... La voilà. Oh, merci, Bill.